Et bonjour et bienvenue sur Refugee Genre. Aujourd'hui nous allons faire une petite découverte sur City of Gunster, un jeu de Kasedo Games. C'est un gentil Patrick qui nous a offert une petite clé afin qu'on puisse vous montrer ce que c'est. Alors je ne serai pas toute seule sur cette vidéo, je vais de temps en temps demander à Falrip de m'aider parce qu'il a fait déjà le tuto. Il m'a dit que c'était très très complexe, qu'il fallait absolument apprendre les symboles et tout ça. Moi, je saute dans le bain direct sans me mouiller la nuque, donc voilà, j'y vais directement. Donc je fais une nouvelle partie. Alors, personnage Teresa, David, Chicago, Détroit. Bon, on va faire Chicago, comme ça on reste à Chicago Poker. Valeur aléatoire, on va laisser comme ça. Nationalité canadienne, allemande, anglaise. Oh, c'est joli, en plus le russe. Vas-y, yeah! Gana Borisov. Oh, c'est génial. C'est un bibliothèque, un respect des canailles. Qu'est-ce que je peux avoir? J'en sais rien du tout. Ouais, respect des canailles. Sélection de la personnalité. Je suis un rat de bibliothèque, une pilote. Ah bah dis donc, je peux être fragile. Solitaire, faible. Talent sous-estimé, ok. Et torpille. Voilà. Une coriace, un tyran. Fidèle, oh oui. Commère, esprit bagarreur, pilote. On va rester à Diana Barisov. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais bon. J'ai vu russe, j'ai dit vas-y, go. C'est rigolo chez les Américains. Donc, allez-y. Oh. Oh là là. Ah, le chargement. Oh, qu'il est beau. Ouh. 1920. Ok. Donc, dernière bonne heure, 18 ans. Oh, russe! Oh! Nous voilà enfin arrivés dans une ville, la vraie Chicago. Oui, c'est une vraie. Nous sommes en 1920, à l'aube de l'âge d'or. 1920, tiens, une question, la prohibition, elle est... elle est active. Elle est active. Donc, voilà. Donc, l'alcool est interdit. C'est un objet de propagande. La cigarette aussi, non? La cigarette... Bah tout ce qui est tabac. Même vendre de l'essence tour de bras, c'est pas terrible. Oh, bon, de l'essence. Oui, mais l'essence, on n'avait pas besoin dans les voitures. Ah, si, si. Si, si, si. Oh, putain. Ce pays est prospère. Bah oui, c'est les États-Unis, donc voilà. Mais divisé, la nationalité, tout juste interdit la vente, de production et la distribution d'alcool. Donc c'est ce qu'on venait juste de dire. Cette loi est vue... comme une attaque envers les habitants et les immigrants qui ne soutiennent pas le mouvement de tempérance. Ok, bien évidemment, personne dans cette ville ne prend cette loi au sérieux. Tu m'étonnes! Alors, comment ça se dit ça? Les Spikazi? Les Spikazi? Et autres opérations clandestines fleurissent à tous les coins de rue. Et le silence des forces de l'ordre peut être... aisément acheté. Oh punaise! Oh là 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 là! L'argent fait le bonheur! Vous débarquez dans ce meeting pour, avec pour seul compagnon, une poignée de dollars et un lieu de parenté. Votre tonton, Joseph Andrew, ça fait pas russe, mais c'est pas grave, vous accueille chez lui. Il possède une petite commerce en ville en... et compte bien sur vous enseigner les finesses du métier. C'est quoi comme... un fleuriste. Oh, j'ai trop envie que ça soit un fleuriste. Bah, juste pour déconner. Note, tu vas vendre de l'alcool. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est... je suis fleuriste. Je suis... comment on dit déjà? On dit... un honnête citoyen. Pourquoi tu mets honnête dans ta phrase? Mais vous ne voulez pas gérer la boutique familiale. Vous avez de plus grande ambition et de la situation dans laquelle vous vous trouvez regorge d'opportunités pour quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Je suis coriace, j'en sais rien.
Alors que vous descendez du train et contemplez les gratte-ciels et l'immense foule qui vous entoure, une évidence s'impose. Soudain à vous, quelque chose d'incroyable est sur le point de commencer. Ta ta ta. Voilà. Oh là. Borizon. Alors ça c'est mon nom de famille, ok. Donc voilà, je suis là. Donc je suis dans une petite voiture. Que faire? Alors, Ceris. Voilà. Ça c'est quoi? Ah, oh, une cafette. Ça c'est bien une cafette. Voilà. Est-ce qu'on peut bouger la map? Non. Est-ce qu'on peut tourner la map? Non. Ah. Après. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Tu cliques sur ton personnage. Ah, je clique sur mon perso dans Diana. Il faut trouver la Baptiste, ton oncle. Généralement, elle est pas si loin que ça. Tonton Andrew. Ça, c'est billard. Oh là là. Et il faut le trouver, hein. Ah, et symbole avec un point d'interrogation, c'est que tu es trop loin pour savoir ce que c'est et tu n'as pas eu encore d'infos. Ah, ok. Je pense que... Ah, c'est tour par tour, ok. Alors, tu as 10 points de déplacement, 3 actions au départ. Oh, ça se trouve où, ça? En haut à droite. Là, ok. Donc, on a 3 points d'action. Ok, super déplacement. Oh, pardon, un petit ok. Et en plus, il y en a un qui baille à côté de moi. Je commence à bailler aussi, ça va pas aller. Donc, on va aller peut-être là. On va aller par là. Non. C'est qui droit sur l'endroit que tu veux. Ah, ok. Voilà. Mais je voudrais bien tourner, tu sais. Donc, je serai toi, je reviendrai. Bon, tu cliques dessus, ça va te dire ce que c'est. Voilà, c'est... Je vois pas. Reviens. Je reviens ici. Oui. Ça c'est pour... Cliquez pour entrer, une faveur disponible. C'est là que t'auras pas de faveur, c'est là. Cette personne connaît quelqu'un qui pourrait être utile. J'ai mon téléphone qui a vibré, c'est pas sympa. Un clic droit dessus. Voilà, on va... Voilà. Tu dois être trop loin. Je suis trop loin. Mais je suis là. Voilà. Alors, bâtiment sous contrôle. Vous contrôlez ce bâtiment bien que Jospé. Ah, ça y est, mon tonton, il est là. Ouh. Figure de toute... Ouais, figure sur toute la paperasse. Allez hop, les hommes à la paperasserie, les femmes aux armes. C'est à vous que cet établissement appartient réellement. Et toc, tonton. On peut lire Orange H Building Co. Sur la devanture du magasin, du bâtiment. C'est le nom du commerce officiel enregistré à cette adresse et c'est mon tonton qui en assure la gestion. L'affaire n'est pas très rentable, mais son rôle est de servir de couverture. L'arrière de cette boutique dispose d'un espace vide. Ok. L'idéal pour implanter votre opération, votre pop commerce. Voilà. Ce bâtiment industriel dispose d'un peu d'espace de rangement. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Cool. Voilà. Cliquez sur l'onglet droit pour voir. Alors, l'onglet droit. C'est ça. Ah, l'onglet droit, c'est là. Oh, ok. J'aime bien parce que tu montres ça avec la règle sur l'écran. Oui, mais bon, Ni monsieur le professeur. Voilà. Donc là, on te dit qu'est-ce que tu peux faire. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc, petit parc à bois, la cour et la dépendance de cette petite entreprise de construction sont remplies de tas de bois, de grumes. C'est quoi? L'autre matin. C'est quoi des grumes? Donc, pour tant de temps. Pour tant de temps. Là, c'est tous les 14 jours. Tu peux dépenser 20 pots de grès ainsi que 4 bouteilles, étiquettes de bouteilles pour produire quoi? Pour produire, normalement ça sera indiqué juste après parce que là tu l'as pas pour l'instant. Ah ok, en gros c'est je me fais un mélange. C'est de la bière. Ah, c'est de la bière. Il y aura de la bière. Ok, en gros c'est comme Skyrim, je mélange le papillon et la fleur, ça fait un poison.
Là, ça fait de l'alcool de qualité. De l'alcool de qualité, vas-y, fais-moi un alcool avec un papillon, va. Autre onglet. Autre onglet. Voilà. Donc, ça, c'est le petit commerce, petit espace voilà. de rangement industriel. Donc, il y a $50 dedans. Ou c'est $50 dormant, c'est ça? Il y a $50 ici. Ici, oui, donc il y a $50 dormant. Voilà, et c'est ça. Le tas de bois, l'étiquette et du vin déjà à vendre. Et en plus, j'ai une boîte de baseball. À la batte de baseball te servira à racketter gentiment les commerces qui veulent pas te donner de l'argent. T'es sûr? Et bien sûr, par contre, tu verras que ton véhicule se remplit beaucoup plus vite. Un véhicule à deux portes, 2% plein. Ok, et j'ai $100 dedans. Voilà. Voilà. Ok, en gros, j'ai $50 plus ça. C'est pas le total qui fait ça. Non. Non, c'est pas... Crois-moi que quand tu revends... L'argent dormant de l'alcool monte beaucoup ton argent. Non, c'est vrai. Mais bon, tu n'as jamais assez de place dans le véhicule pour emmener tout d'un coup. Oui, bien sûr. Alors, commerce clandestin, cet endroit est disponible. Vous pouvez ouvrir cette opération ici. Cliquez. Bon, on va cliquer. Tout bêtement. Alors, fabrique de machines. Derrière boutique, impression de vin. À chaque coup, tu dis ce que tu as besoin. Ouais, je vois. Donc, si on clique dessus, il me faut du raisin, qui est bien. Ici, il me faut des pommes pour faire du cidre. De la bière artisanale, du blé. Sirop de malt. Ok, c'est autre chose. Ça, c'est quoi? Vin en brique, ok. Et ça, c'est des moshkin en brique. Pour l'instant, ne construis rien parce que c'est ton oncle qui te dira lequel que tu veux construire. Ah, ok. Pas touche minouche. Mais je peux construire quelque chose. Donc, en faisant t'es ça. T'es en partie d'intro ou... J'ai fait une nouvelle partie. Ah, bah, donc non, ça, il va rien t'indiquer. Ah, il va rien m'indiquer. Ah, le vilain, t'aurais pu le dire. Donc, regarde, qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai vu que j'avais le truc de grès. Les 20 points de grès, ainsi que ça. Je peux, donc, ici, appuyer. Comment on fait pour activer la production? Déjà, tu vas cliquer sur responsable. Il veut pas te le mettre pour l'instant. Va parler à Joseph. C'est la tête du haut. Bonjour, tonton. Est-ce que je pourrais te demander une faveur, mais pas une faveur sexuelle, parce qu'il y a hors de question que je fasse ça avec tonton. C'est dégueulasse. Je peux rien te refuser à mon nièce chérie. C'est joli ça, à mon... Ouais, je pense que ça fait très russe. À mon nièce chérie. Je viens de Wuhan. En quoi je peux t'aider? C'est dégueulasse. Vous connaissez quelqu'un prêt à acheter une partie de mon inventaire ou vous pourrez me vendre ce que j'ai bien? J'aurais besoin d'un coup de main vis-à-vis d'une connaissance commune. Je sais qu'une parole de votre part améliorera nos relations. Pour l'instant, je connais personne, à part tonton. Donc, faut mieux faire ça. Voilà. Ah, tonton. J'ai entendu dire que certains produits de nos stocks ne sont pas faciles à refourguer de nos jours. Vous... devez en tout cas mon ami. Il est bol. Comme ça, je pourrais faire caca. Paul, il est là. C'est loin. Bon, ça va. Bon, oui, c'est bon à savoir. Ou je peux lui demander d'avoir un peu plus d'informations sur lui. Donc on va lui demander une faveur. Voilà. Et en plus, c'est un club de billard. Oh, c'est génial. Donc à la prochaine. Donc là, pour quitter, c'est tout simplement ça. On est d'accord. Ah, ça y est. Tu vois, il est assez loin quand même parce que les... Et c'est quoi ça?
Louis Nelson, la bande de Nelson. Oh, c'est un copain. Hey, elle est pas. Maxime Leblanc et sa bande. Maxine, pardon. C'est une femme. En plus, on a le même chapeau qu'elle voleuse. Donc, on va aller chez copain Paul. Donc il faut. T'auras pas assez de déplacement là. Oui, mais je vais m'avancer quoi. Autant m'avancer. Voilà. Pas assez. J'ai plus que 4, c'est ça? 5. Ah, je peux pas? Bon bah. Faveur? Non, bah là t'es bon à faire tour suivant pour te recharger. Voilà, tour suivant. On peut être déchu. Oh la vache. Et on peut pas tourner la caméra, rien? Normalement si, mais c'était indiqué dans le tuto. Ah bah c'est sympa. Bon bah. Normalement avec la molette tu peux zoomer. Policier, tu sais, lui y va. Tu vois, oh, j'aime bien. Le policier qui est responsable du coin, que tu pourrais lui donner gentiment de l'argent pour qu'il t'oublie. Oh, mais moi j'ai rien. Alors, coucou Paul. Alors, on écoute beaucoup de tabac ici. Ah, on est cool. J'ai cru que c'était un thé. On écoute, allez hop. Comme les coquillages, on les met dedans. Pour voir s'ils fument. Peut-être une source moins chère, cela serait la bienvenue. Les clients commandent souvent la spécialité qui sort du placard dissimulé. Et si nous tentons d'apprivoiser une nouvelle spécialité à vendre ici, je voudrais acheter des choses ou faire une faveur. Bon, on va faire une faveur à Paul. C'est vraiment... Je peux pas faire caca chez lui. Je peux rien refuser à un ami. En quoi puis-je vous aider? Voilà. Alors, étendre ton organisation, ça te permet de prendre le contrôle un petit peu du quartier. Oui, mais disons que Maxime Leblanc sera peut-être pas d'accord que j'étende mon... Plus ton contrôle sera important en nombre de quartiers, oui. Plus tu pourras avoir des hommes de main. Là, pour l'instant, t'es obligé d'emmener tout toi-même et de vendre tout toi-même. Ah oui, en gros, je suis un auto-entrepreneur qui honnête. Est honnête. Bien sûr. Qui a fait son propre commerce et puis que au final ça produit bien et puis voilà. J'aurais besoin d'un coup de main vis-à-vis d'une connaissance commune. Ouais, je m'en fiche. Vous pouvez m'aider à me rapprocher de quelques fauteurs de troubles. Ouais. Notre souhaite étendre son territoire et s'emparer de votre partie de la ville. Je peux affecter à l'accession d'un commerce de façade pour que cette belle... Oh, ok. Je sais pas, moi. À un moment ou à un autre, il faut s'agrandir. Bah oui, il faut s'agrandir, mais il faut aussi trouver des hommes. Parce que y arriver toute seule, je pense pas que je vais aller loin. À peu près pareil, les habitants. C'est ce qu'il fait au départ. Ça? Non, le deuxième. Enfin, le troisième. Ah, le troisième, oui. Il préfère, au départ, il essaye de vanter tes mérites. Ah! Mais d'ailleurs, il faudrait que je sache. Comment ça s'appelle? Ah bah, il faut que je repaye. Oui. Non, tu l'as pas payé, tu l'as pas consommé. Ah, ok. J'ai pas consommé. Tant que tu vaillis pas ta demande, il... Bon bah, vas-y. Alors, qu'est-ce que ça appliquerait au juste? Vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, il va falloir que nous mettions les habitants dans la poche et que nous impulsions le respect. Nous imposons notre respect. Ouais, nous imposons. Voilà, notre respect. Alors ouvrez l'œil.
Ah, c'est un truc, ouais. Alors, ouvrez l'œil, au cas où il y aurait des opportunités dans lesquelles on pourrait avertir... Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, bien sûr. Bon, le cas. Voilà. Et comment... mais qu'est-ce que c'est facile au niveau du respect, c'est protégé. Une fois que les gens nous connaissent et que nous contrôlons à nouveau le coin de la rue, notre organisation proposera au commerce des environs de leur offrir leur protection. Une protection, c'est surtout ça. En échange, ils viendront déposer quelques enveloppes par ici, par là. Je vois votre hésitation, c'est pourquoi je vais aussi ajouter 170 $, histoire de rendre l'offre alléchante. Mais j'ai pas de sous. Si, non. Non, dans la voiture, j'ai 100 balles et une batte de petit pot. Donc il faudra juste que tu reviennes avec l'argent. Ouais. Donc tu dis que tu as besoin de réfléchir. On va essayer d'aller vendre ailleurs. Voilà. Et tu as trouvé une autre idée pour l'instant. Tu sais que tu reviendras à la prochaine. À la prochaine. Alors. Essaye la molette, voir pour zoomer. Oui, comme ça, oui, c'est bon, la molette, c'est bon. Mais ça, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi ça? Une épicerie. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, retourner déjà dans ton quartier. Okay. Parce que je pense que tu pourras plus vendre des trucs là-bas. Mmh. Oui, mais il faudrait déjà la production. Et je crois que c'est question de déplacement optique. Bah, je suis à 9, hein. Voilà, et puis j'ai la pression. C'est le clic et de bouger. Ah, super. Oui, donc clic gauche et puis maintenu pour. Normalement, tu le fais avec une touche aussi, mais. Voilà, donc ça, je peux avoir une faveur. Ouais, tu peux cliquer dessus, parce que t'as encore des actions. Voilà. Essaye de voir qu'est-ce qu'il a à vendre, qu'est-ce qu'il a acheté. Voilà. Donc, il achèterait du cidre ou du moonshine. Ouais, il achèterait ça, mais moi, j'achèterais ici. Voilà. Tu vois ce que tu peux acheter, tu vois ce que tu peux vendre. Ok. J'ai l'impression que tout le monde veut vraiment boire là, ils en ont marre. Hein. Ah bah c'est la prohibition. Hein. Voilà. Après moi j'ai pas vécu à cette époque une faveur. Laisse les faveurs pour l'instant, essaye plus déjà de regagner un peu d'argent. Et comment on regagne de l'argent? Bah va falloir aller à la boutique, voir ce que tu as. Et te servir dans la boutique. J'ai du rien. Moonshine t'en as. Ah du moonshine. Donc faut mieux que j'aille là, que j'aille à la boutique, que je vais dans l'inventaire, que je mets le moonshine ici, je vais en mettre 15. Charge-toi intégralement, au pire tu les vendras. Et... J'ai du vin en brique aussi. Alors, fin de chargement, essaye de voir qu'est-ce que... Du coup, t'as des pots en grès, t'as pas ça. J'ai des pots en grès, mais regarde, je peux pas le faire ça. Il te manque. En gros, j'ai compris. Ma boutique fait des pots en grès et des étiquettes tous les 14 jours. C'est bien cela. Oh là là. Maintenant, essaye de voir si tu peux y associer une nouvelle production. Troisième onglet, je crois. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Ouvrir une nouvelle opération. On n'a pas vu beaucoup de choses. Non, j'ai pas beaucoup. J'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de trucs. Je sais que la bière artisanale fonctionne bien. Voilà, mais il faut trouver le blé. Mais il faut que tu trouves ça. Le blé, le malt. Donc on peut pas construire, de toute façon j'ai pas de sous. T'as pas assez d'argent. Faut que tu vendes avant. Voilà. Donc on va retourner ici. Voilà. Faut que tu cliques sur ton perso. Voilà. Coucou. Hop. Vendre. Voilà. Vendre. Du moonshine. Là. Merci. Je crois que j'en ai dans la voiture. Il te les prend, 20 le pot. Bah c'est déjà pas mal. Votre offre.
Et il en veut combien au maximum, c'était 16. Bah, tu lui donnais 16, hein, ça. Voilà. Off. Bah, j'ai quand même 300 boules, là. Et ça te fait du bien. Voilà, après, je peux te faire une faveur, parce qu'il me reste que 3 en déplacement, je pourrais pas faire tout le tour, là. Ouais, mais si tu fais des faveurs très vite, les faveurs te coûtent très souvent de l'argent. Ah, ok. Donc, pas de faveur. Donc là, c'est se rapprocher d'une autre boutique, voir qu'est-ce qu'ils te proposent en achat et en vente. Et à chaque coup... À chaque peu loin. Donc, je peux me mettre là. L'entre-deux fonctionne pas. Voilà. Bonjour. Voilà. Parce que... Quand il te dit que bah, ce genre de réponse, ça veut dire que tu ne produis pas encore ce qui l'intéresse. Ah. Ok. Bon bah à la prochaine. Et puis de toute façon, autant que je retourne ici. Parce que ça c'est ma zone de sécurité. Essaye de voir celui de la gauche, qu'est-ce qu'il te proposait. Voilà. Alors. J'aimerais acheter du bois, des pieds de biche et des couteaux. Ça c'est pour équiper. Oui, c'est pour. Gentiment proposer au commerce ta protection. Et ça, c'est quoi ça c'est, Alors, ça, c'est ce qu'il pense de toi. Ah, si je suis gentil, si je suis pas gentil. S'il t'aime ou il t'aime pas. Voilà. Salut. Tout va bien, madame la flic? Oh. Voilà. Donc, bonne journée. Donc on va aller voir chez Paul. Voilà. Je vais juste voir ici qu'est-ce qu'il propose. Acheter des bouteilles. Voilà. Bah, on va voir. Hop. Ici. Donc faveur. On va faire ça. Hop, on relie pas. Oui, voilà. Et on va. Dans ce cas, marché conclu, ouverture d'un nouveau commerce façade avec une faveur. Allez, hop. Voilà. Donc, c'est quand même un jeu très complexe. On va s'arrêter là. Je pense qu'on en a assez. Bah, pas assez vu parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et le tuto, je crois que. Et quasi obligatoire. Parce voilà, que le tuto, parce que. Voilà, t'as aucune aide. Comme là, heureusement que j'avais toi. Mais bon. Je coupe juste ça. Donc, c'est un jeu complexe, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu avec de chance un peu, avec un peu de chance. Ça dépend des flics et des bandes, faut vraiment bien choisir ceux qui vont t'aider. Et faut se dire que là, on est dans le jeu le 22 juin 1920, mais je crois qu'on joue une vingtaine ou une trentaine d'années. Ouf, oui. Mais après, on a 18 ans quand on commence. Ça passe assez vite les tours, c'est un tour c'est 7 jours. Ok, oui, c'est une semaine. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Il y a quand même pas mal de styles de boutique qu'on peut faire. Faut penser de temps en temps à aller rappeler à l'ordre les commerçants qui ne veulent pas donner d'argent parce que des endroits où qu'on emmène les enveloppes, ça coûte de l'argent. Ouais, ok. Dans l'intro d'ailleurs, j'ai été en déficit. Donc c'est quand même un jeu très très difficile, mais qui permet de entre guillemets vivre la prohibition du mauvais côté, si je peux dire, hein, dans le en 1920, donc à l'époque de Tulu, c'est ça. Malheureusement, on ne lutte pas contre ces forces-là. Bah, heureusement, on a déjà assez à gérer.
Oui, surtout, j'imagine même pas s'il y a un profond là-dedans. Donc, voilà. Donc, on va remercier Kazeko, Kazedo, j'ai rien marqué dessus, Games, à Patrick surtout, pour cette clé, qui nous a permis de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai vu une petite faute. Donc, quand c'est mon nièce chérie, c'est plus ma nièce chérie. Mais après, c'est pas si grave que ça. C'est un éditeur, donc une boîte d'édition qui traduit énormément ses jeux et ils font pratiquement que de la stratégie. Mais c'est déjà pas mal pour. Bon, après, c'est une petite faute, ça peut arriver à tout le monde. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte. Allez, zou!